pour soutenir les jeunes Africains, ces jeunes garçons, ces jeunes filles que nous formons, qui sont à la fin de formation, qui passent par d'abord l'examen officiel, c'est par le certificat de fin d'apprentissage. En fait, c'est pour les aider à s'installer professionnellement et de façon durable. Pour cette quatrième édition, comme je l'ai très souvent dit, le but de ce concours, c'est vrai, c'est de pouvoir arriver à trouver les moyens, que ce soit matériel ou financier, à un jeune, mais aussi c'est de pouvoir se former davantage. C'est dans ce sens-là que pour cette quatrième édition, nous avons pensé à initier au moins 5 séances de formation, des formations qui vont parler du domaine de la mode, du stylisme et de l'organisme, des formations qui vont parler des MST, CST, une formation également de l'OTR, l'Office de l'Université, qui viendra parler des impôts, évidemment, et comment les payer. Et donc, tout ça, là, c'est un ensemble qui va aider le jeune à s'installer de façon durable. Et à côté de ces formations, nous avons prévu d'autres activités parallèles, par exemple des soirées de défilé de mode, une qui est réservée aux lauréats de la troisième édition de cette compétition, et une autre plus grande qui se fera d'ailleurs dans la grande salle d'Adora Senghor. Ce sera le 15 avril 2023. Et sur cette soirée-là, nous allons primer, nous allons connaître d'abord les primés par après les lauréats de cette quatrième édition. Les lauréats de cette quatrième édition seront en nombre de 3. Il y aura les 3 premiers. Nous pensons également à offrir 2 autres prix parallèles. Et ces 2 prix-là, je me réserve de me prononcer là-dessus. Ce sera par rapport au parcours, à ce que chaque candidat va fournir comme étude. Nous avons prévu de planter des arbres. Tout d'abord, c'est par rapport au thème que nous avons choisi. Je suis artisan, je dois concourir à un espace vert dans ma communauté. Ce qui m'était venu à l'idée de choisir ce thème-là, c'est quoi? Je vous dis, ça fait très longtemps que nous sommes des coutumiers, des tailleurs, et ça fait très longtemps que nous utilisons le charbon de bois. On sait tous très bien que le charbon, c'est fait en base de bois. Et pour avoir du charbon, il faut détruire les arbres. Et je me dis, il y a des années, j'ai fait détruire des arbres pour pouvoir gagner de l'argent. Et en retour, je dois planter des arbres. Et ces jeunes lauréats pour cette quatrième édition vont quand même nous aider à arriver à cette initiative-là. Merci beaucoup.